Bonjour à tous les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel affrontement entre tous les opérateurs. Oui, j'ai bien dit tous. Et nous allons commencer avec, eh bien, monsieur Warden ici présent. Salut les copains. Oui, bonjour à toi. Et notre nouveau combattant, arrivé fraîchement sur Rainbow Six, je vous présente monsieur, eh bien, monsieur Sense. Alors si je peux me permettre, moi je suis pas monsieur. Oh toi comment ça, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Il est con ou quoi? Alors déjà, c'est pas il, c'est Yel. C'est quoi ça, Yel? Yella! Yella, Yella! Moi je connais Yella, mais Yel, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je sais pas non plus. Mais du coup, je me bats contre qui? Contre lui ou contre elle? Eh bien moi c'est Yel, ok? Mais ça n'existe pas, c'est il ou elle. Yel, ça n'existe pas. C'est comme le Père Noël. Ho ho ho, qui a dit que je n'existais pas? Ho ho ho. Non, ça veut dire que je n'ai pas de genre. Je suis Yel, quoi. Je m'appelle Néon Negoma Mutombo. Attends, quoi? Tu t'appelles vraiment Néon? Comme l'objet, le néon? Bah non, c'est pas toi qui as des néons chez toi? Si, je confirme, ils sont là-bas. Bon, trêve de blabla. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'affrontement entre Warden. Oui, et moi, on peut m'appeler monsieur, hein, y a pas de souci. J'ai une grosse bite, très grosse bite. Warden, pour cette première partie, qui va donc être opposé à monsieur ou madame, du coup? Je ne sais pas. On t'appelle monsieur ou on t'appelle madame? M'appelle pas, je suis pas là. La. Tu m'appelles comme tu veux, mon chou. Ok, donc on va t'appeler Néon Warden contre Néon. Qu'avez-vous à dire, messieurs? Enfin, messieurs, dames, du coup, je ne sais pas comment vous qualifier. Oh, vous faites chier, hein. Enfin, surtout toi, Néon, tu fais chier. Moi, tu sais ce que je fais? Je suis un hélicoptère de combat équipé d'une mitraillette et d'un bazooka. Ah, ça t'embouche un coin. Bah non, ça n'existe pas, ça. Moi, c'est qui commence à me casser les couilles, le nouveau? Non, écoute-moi bien. T'es un opérateur de. Bah, de merde. T'as une arme de merde. T'as une compétence de merde. T'as une vie de merde. Et moi, je suis ton counter. Tu sais ce que c'est un counter? Vu que t'as l'air un peu con, je me pose la question. Bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au moins j'ai pas une moustache de merde. Attends, t'es vraiment en train de parler de ma moustache et de me critiquer sur mon physique? C'est vraiment ça? Et s'il te plaît, regarde ta tête, regarde tes cheveux, on dirait une coupe de dinosaure. Et tu te permets de critiquer ma divine moustache? Mais va te faire foutre! Moi si je peux me permettre, c'est vrai que t'as sacrément une coupe assez étrange. Tu ressembles un petit peu à une banane. Oh, ça me rappelle ma banane à moi d'ailleurs. Hop, je vous laisse débattre. Bah elle est très bien ma coupe de cheveux, qu'est-ce que vous avez à vous moquer? Ah parce que vous êtes jaloux de moi en fait. Ah ouais, je crois que c'est ça en fait. Bande de petits joueurs. Ouais, mais moi je vais te montrer qui est la plus grosse bite, je parle bien sûr. Je vais te la montrer, tu fais un peu trop le malin pour un opérateur qui est tout juste débarqué sur le jeu. En plus, t'es nul. T'as une arme, elle est vraiment très très nulle. Donc, t'as rien pour toi en fait. Je vais te montrer qui c'est qui a la plus grosse bite ici. Mais moi j'ai pas de bite. Qui te dit que j'ai une bite? Hein? Moi, tu me commences à me courir sur le haricot, toi. Prépare ta couche, je vais te la mettre dans le cul. Je vais t'humilier. Je suis prêt, Kaïd. C'est parti. Je déclare ce premier affrontement entre monsieur. Oh, bah, monsieur, je sais pas ce que c'est. On va t'appeler. Je sais pas comment t'appeler. Entre l'individu Sense et entre monsieur Warden. C'est parti. Oh yeah. Bon, on commence avec lui du coup. Enfin, quand je dis lui, avec cet opérateur. Parce que oulala, c'est Yel. Désolé les gars, moi, pour moi. Après, bien sûr, c'est pour moi. Peut-être que j'ai pas la voix de la raison. Mais pour moi, Yel, je sais pas quoi, ça existe pas. Désolé, je dis ce que je pense. Mais je respecte les avis de tout le monde. Tout le monde a le droit de penser ce qui lui plaît. Mais je suis franc avec vous. Pour moi, c'est il ou elle. Voilà. Mais bon, voilà. Je vais pas rentrer dans ce débat. Parce qu'aujourd'hui, on est là pour prendre du bon temps. Et pour faire cet affrontement. Moi, faut savoir que je déteste l'arme de Sense. Je la trouve, mais tellement nulle. Mais la compétence, en vrai, elle est sympa. Wesh, elle est sympa, mais sans plus. En fait, vous lancez une fumigène, c'est pareil que Sense. Donc voilà, pour ça que j'ai un peu de mal avec stopper. Tu sais qu'on va taper un espèce de petit push, les frères. Ah, bien joué. Je vais essayer avec un autre canon, les gars, mais sincèrement, je trouve que le recul, il est ingérable. Je sais même pas quoi mettre. Enfin, l'holographique, testons, mais pour moi, Sense, c'est un très très gros point négatif. Et ben, son arme de merde, en fait. Enfin, son recul de merde. Et ses dégâts de merde. Son arme de merde, voilà. Donc, pour ce premier affrontement, c'est entre Sense et entre Monsieur Warden, les amis. Parce qu'en fait, c'est deux espèces de counter. Et bien sûr, nous allons voir avec lequel, ben, on s'en sort le plus, ce qui déterminera le vainqueur de cet affrontement. Et puis ensuite, par la suite, on fera d'autres opérateurs. On va pas faire que Sense et Warden, on va en faire plein. Donc pensez au like les amis, abonnez-vous tranquille, passez un bon petit moment. Et puis voilà, regardons avec l'holographique qu'est-ce que ça peut donner. Et Sense aussi, je trouve que le point négatif, c'est qu'ils l'ont mis en un point de vitesse. Je crois qu'il y en a encore un. Donc t'es mal la petite diversion mon gars, regarde bien. Je pense qu'il sait pas que je suis là. Ah, bien joué. Il était au-dessus l'enfoiré, c'est dommage. Et pour l'instant, on se mange un bon petit 2-0. Oh, il m'a pris Sense. Ah, oh, mon cœur. Il l'a lâché, oui. Mon cœur en vie. Il était à deux doigts de niquer ma propre vidéo. Merci à celui qui a lâché ce Sense. Franchement, je suis très honnête avec vous. C'est l'un des pires persos pour moi. Pour moi, bien évidemment. Et l'autre. Putain, mais dégage. Tout ça pour avoir un kill, il me rafale. En fait, je sais même pas comment me servir de la compétence, tu vois. Et l'arme, elle est nulle. Elles sont un mélange de bites et de cul. C'est pour te dire le mélange des enfers. Vas-y, vas-y, termite. Terbite. Ouvre le mur. Mais non, mais ouvre pas là. Mais il est putain, mais les gars. Des fois. Mais elle est trop nulle à chier, l'arme. Mais bah nous, tu fais le kill.
Mais regarde le nombre de balles que je mets. Est-ce que vous êtes convaincus pour l'instant par Sense, les gars? Je sais pas. Honnêtement, l'opérateur, on va le tester, vous en faites pas, y a pas de souci, ok? Mais sincèrement, vu que je vous prends pas pour des imbéciles, je vais même pas vous le recommander dans l'état. S'il y a un buff, oui, pourquoi pas, mais en tout cas, ne l'achetez pas. N'achetez pas le Battle Pass. Si vous souhaitez avoir cet opérateur, c'est du gâchis. En tout cas, bien sûr, pour le moment, les gars. Mais si vous avez envie d'avoir des fumigènes, bah prenez des fumis, tout simplement. Parce que ça, pour avoir une compétence et faire un fumigène qui peut se casser si tu mets une percule, je trouve que ça sert à rien. Après, bien sûr, ce n'est que mon avis de plot, à moi. Et sincèrement, l'arme, je la trouve faible. Pour une arme d'attaquant, elle est faible. Et elle est même trop faible, beaucoup trop faible. Ok, on va le pêcher dans la fumée, si ça marche, normalement, ça devrait être bon. Oh, le mec, il va paniquer. Le mec s'est chié dessus, les gars. Et pour planter, regarde, on fait ricocher, ça c'est sympa, d'accord. Mais si tu te prends une percue ou ne serait-ce qu'un projectile, ça annule ta plante, mon gars. C'est pour ça que je trouve que c'est assez faible. En plus, tu peux pas forcément trop taper de poche avec lui, vu qu'il est aussi lent qu'un tracteur. Tu peux être sûr qu'il y a un mec qui va m'attendre, ouais, c'était sûr. On va lui bloquer un peu l'accès. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher? Je sais pas. Attention. Et vous avez vu, ça disparaît tout seul après, c'est ça qui est nul. Mais c'est clairement l'arme, moi, que j'aime pas. Là, je la trouve mauvaise. Attends, il y a le téléphone qui sonne, ouais, je l'entends. On va assurer une plante d'avoir ranchide, les frères. C'est long pour planter, hein. Voilà, bien joué, ma couille. Est-ce qu'il était là où je l'avais entendu? Ah ouais. En vrai, c'est un opérateur qui sert un peu à rien. Et c'est pas méchant, il est trop facile à contrer. Il est beaucoup trop simple, vraiment. Trop facile. En tout cas, oui, actuellement, ce personnage, il aurait pas dû sortir dans cet état. Il aurait dû être plus puissant. Déjà le passer en 2 points de vitesse, 2 points de protection, ça me semble être bien. Le recul, on le désactive un peu. On en met un peu moins et les dégâts de l'arme, faut buffer ça, en fait. Parce qu'actuellement, l'arme, elle est nulle. Après, vous le savez. C'est des ressentis perso, les gars. Ah, tu vois, normalement, il aurait dû mourir. J'aurais eu, je pense, l'arme de thermite ou de jackal. Je pense que je l'aurais dégusté, le monsieur. On essaye de faire le taf, les gars. J'ai bien dit, on essaye. Oh, c'est nul à chier. Je l'aime pas, cet opérateur, je suis désolé. Désolé, je vais pas me forcer, je l'aime pas. Je sais pas comment le jouer et je le trouve lourd, en fait. Enfin, il sert à rien. On passe désormais, les amis, avec Monsieur Moustachu, qui, pour moi, bien sûr, est le meilleur counter pour tout ce qui est flash, etc. Ying, ou alors Sense, ou même des fumis classiques. Warden, c'est devenu un goat. C'est The Goat. C'est en train de taper un push. Il y aura peut-être Capito qui va mettre des flammes, les frères, on va voir. Et quand je dis des flammes, c'est de la fumée, hein. Oh non, non, j'ai failli pas avoir timing, les gars. Oh, let's go. Mais c'est pas Capito qu'on a eu. Oula, ouais. Vous savez quoi, on va essayer de rester un petit peu hors du site, les gars. Oh, pour qu'on puisse activer nos lunettes quand ça va taper un push, parce que ça va mettre des fumées. Je parlais pas des flammes de Capito, les gars, vraiment des fumigènes. Et on va pas trop piquer non plus, même si j'adore ça, comme le sexe. Les barbelés, ça casse là, mon gars, attention. Je sens qu'il va mourir, Monsieur Castle. Même Monsieur Tachanka, ils se mettent à des endroits et ils peuvent se faire shooter tellement facilement. Là, c'est l'heure pour moi de faire un bac pour le coup. Parce que si je le fais pas, mes alliés vont être de la merde. Là, tu vois, putain, je savais qu'il allait mourir au couloir bleu. Ah ouais, tu vois, putain, mais j'anticipe tellement trop bien. Maintenant, je me retrouve en 1v2, les gars, ça va plus la merde. Il y en a un qui est couloir bleu ici et l'autre qui est en train de rentrer sur le site, donc on va faire très doucement. Et ça a posé sa mère. Putain, je suis deg. Je sais pas si je l'ai mis à terre. Mon petit Warden, je te fais confiance. Prouve que tu es meilleur que Sense. Ah, il m'a enculé. Calme-toi, je suis là, wesh. Putain, mais ça, c'est de la rotation. Bien joué, ma couille. Bah oui, bien joué. Mais tu sais, je fais pas partie du décor. T'es pas obligé de me tirer dessus. Allez, concentration, motherfucker bitch. Dis-moi, ça place des grands drones et tout. Oh, restons concentrés, les amigos. J'ai vraiment envie de vous montrer que Warden est plus fort que... Ouh là là, ça push. Que ce putain de Sense. Oh, il y a un bouclier. J'espère que c'est un blitz. Comme ça, je serai insensible à son flash, les gars. Mais ça pue, là. Ça pue la merde de V5. Ça pue. Ils sont nuls avec moi. Oh oui, c'est un blitz. Ah, ils sont nuls, mes alliés, ils me laissent tout seul. Je vais vous montrer que Warden est plus fort. Eh, vous savez quoi? Je vais laisser une dernière chance à Sense. Mais des fois, je me demande quel est le sens de cet opérateur. Cet opérateur n'a pas de Sense. C'est nul, pardon. En tout cas, donc, cette dernière game déterminera qui est le plus fort entre lui et le moustachu. Mais regarde comme il est lent, je suis en train de chasser un gars, il est lent. Lent. Mais l'arme, elle est trop cul. Non, j'aime pas. Wesh, c'est quoi ça? T'es mort. Non, l'arme, elle est trop nulle, elle est vraiment naze. Déjà, rien que par rapport à ça, Warden gagne un point. Tu sais quoi? Mais non, mais tu vois, même Jaeger le bloque, mais regarde, c'est nul, frère. J'en ai vu des compétences nul à chier sur R6, mais alors celle-là, les gars, bro, oh, sincèrement, wow. Tu sais quoi, on va tenter de s'incruster comme ça, je sais pas si ça marche. On va dire que oui, ça a marché, c'est pas trop par quel miracle. Ah, j'ai pas le diffuse, non, les gars. Putain. Allez, montre-moi ton huc. Ah, mais mon allié! Vas-y, mais réfléchis là! Viens planter là! Là, viens te mettre là, plante! Putain, Zappi, il va mourir avec le diffuse! Le handicapé! Et moi, je vais devoir le sauver! Et mourir! Oh, c'était Warden! Tiens! Mais va. Oh, j'ai envie de le TK, va planter, enculé! Oh, vas-y, c'est un handicapé!
T'as foutu que je fasse tout seul et il plante à la fin. C'est avant qu'il faut planter, handicapé. Bon là, on a fait une belle manche avec Sense, mais c'est un peu de la chance. Ça n'a pas de sens. Vite, je prends le diffuse, vite. Ok, garage, ça peut être sympa de taper un petit push avec les fumis là-dedans. On a un ace, on a une bonne compo, enfin je trouve. Mais est-ce que mes singes d'alliés vont réussir à bien jouer? Je ne sais pas. Allez, on va avec ace, on va planter. On va taper le petit push. Les petites clés mortes, c'est toujours sympa sur Sense pour le coup. Allez, elle va rentrer, la Rosa, bien wesh. Attention de pas se ramasser un C4 ma gueule. Ça serait vraiment bête. Parce que c'est ce qui va, je crois, arriver. Ouais, y a un C4 les gars. Ouais, le problème de l'arme, c'est qu'elle est vraiment mauvaise. Je sais pas si vous avez vu le faible taux de dégâts que je mets. Je sais pas à qui il est ce C4, s'il est à Thunderbird ou s'il est à quelqu'un. À quelqu'un d'autre, bien sûr. On va planter, enfin, on va y aller, essayer. On va activer nos trucs. On y va. On crée un peu la zizanie partout, les gars. Et là, on peut planter en toute sérénité, puisqu'en face, il reste seulement un doc. Normalement, si mes collègues, ils ont la cover, c'est gagné. Là, on met une clé mort au cas où. Hop là. Et je pense que c'est gagné. La caméra, les gars, bien sûr. Le capcan. Vous avez vu ou pas l'arme? Comment elle pue? Elle pue l'arme! Putain, le mec, je lui mets une balle à terre, il meurt pas, gros! Même le petit gun fait plus mal! À un moment donné, les gars, faut buffer cette arme ou y a que moi qui est pour cet avis-là? Ou alors, est-ce que vous me donnez raison? Donnez-moi raison, j'ai raison! Même quand j'ai tort, j'ai raison, bande de ploucs! Et ils vont nous faire tous les BP, les sagouins. Ils ont vu qu'ils se font enculer de partout, ils se sont dit, ah, tiens, et si on allait se faire enculer ici? Pardon, des fois on dirait Joker, je suis pas exprès, vraiment. Je pense que dans ma tête, on a une double personnalité. Il y a la personnalité des fois qui vous tient des discours un peu plus matures et le côté un peu plus con qui est con, tout simplement. Oh bah oui, 3v5, vas-y, faites-vous spawn kill, on vous dira rien. Aïe aïe aïe. Je pense qu'il vaut mieux prendre le top auparavant. Ah, y'a un gars, je crois. Ah, la vie de ma mère. Me faites pas chier. Et commencez pas à me dire qu'il est bon l'opérateur. Commencez vraiment pas à me dire ça parce que l'OP il est pas fou. Je vous jure qu'il est pas fou. C'est pas parce que tu fais des kills avec un opérateur que forcément il est bon. Oh le recul, oh là là, Théma se recule des enfers. Vas-y, je te mets une fumée, plante ma couille. Vas-y, plante. Oh bah non, c'est ce qu'on appelle se faire soulever ma couille. Allez, encore une petite boulette. On aime ça les grosses boules. Enfin, s'il reste un Tachanka et l'autre, on ne sait pas encore qui c'est. Vite, nickel. Une petite boulette là pour se cover de l'autre côté. Oh le recul, j'y arrive pas les gars, j'y arrive vraiment pas. Attention, ça va s'estomper mon petit mur là. Aïe aïe aïe. Cette arme, c'est de la merde. Faut mettre trop de balles. Ah, moi je peux pas, hein. Ah, tu sais quoi, vaut mieux jouer au petit gun, c'est mieux en fait, tu vois. Ouh. Est-ce que Warden, sur cette dernière manche, va faire de l'ombre à Sense? On va voir ça, les frères. Ça sera à vous de décider qui gagne dans les affrontements. Parce que là, pour l'instant, on fait Warden et Sense. Et puis après, on fera d'autres, hein, bien sûr. Ah, lui, les gars, c'est le roi des ploucs. Attends, Théma, ça dégaine. Ah, ouais, c'est le plouc originel. On a un petit peu touché le coquino. Est-ce qu'on va mettre un petit 4-0? Ça ferait plaisir. Non, pas, ça fait longtemps qu'on en a pas mis, hein. Oh Warden, ça tu vois, c'est une belle arme. Ça tu vois, c'est de l'arme de qualité, c'est pas comme Sense. Oh bah c'est Sense qu'on a tué. Oh, bien joué, il m'a enculé. Franchement, rien à dire, bien joué. Ah, oh, c'est quoi ce gameplay? Ah, mais c'est même pas lui qui m'a... C'est l'autre sur le toit, c'est Spider-Man de Wish. Bon, pour vous les amis, c'est qui a gagné cet affrontement? Cet affrontement est désormais terminé. À votre avis, qui a gagné? Nous passons désormais à la suite. Veuillez accueillir Madame Finca, qui va jouer contre Monsieur Docteur Maboule avec son gant qui te met un dos dans le cul. Regarde bien. C'est bon ça. Oh ouais. Et contre la fille de Thanos, Thunderbird, avec ses petits rectangles sur le menton. Je déclare ce nouvel affrontement ouvert, foutez-vous sur la gueule, mettez du sang, du drama, insultez-vous, oui j'aime ça. Bah actuellement, moi tu vois, je suis le meilleur agent du jeu, j'ai une grosse batteuse avec un black ice, je sais pas si vous en avez un, vous, je vous raconte ma vie, mais voilà, je pense que j'ai toutes les qualités pour gagner cet affrontement. Ouais, seulement si moi, j'existais pas quoi, c'est pas comme si je suis le meilleur agent du jeu en défense, c'est réel, achi. Oui, c'est moi la plus forte, oh, regarde ma queue de cheval qui bouge de partout. Bah fermez vos gueules les gonzesses, ou je vous mets ma main dans le trou du cul, tu vois mon nez? Eh bah ma bite elle est proportionnelle à mon nez, ok? Regarde, j'ai un gros black ice qui pendouille. Tu crois que c'est un black ice, mais en réalité, c'est une métaphore sur ma bite. Alors faites pas trop les folles, bande de salopes. Sinon, je vous mets mon doigt dans le cul. Oh là là, c'est que t'es intimidant. Avec ton gros nez, si ton zizi, il fait la taille de ton nez, eh bah dis donc, ça fait de la peine pour toi, mon ami. Oh putain, vos clashs, ils sont éclatés, vos clashs de merde. Moi, je vais vous montrer comment on clash. Thunderbird, avec ton piercing, là, sur l'arcade sourcilière. Tu t'es cru en 2010 ou quoi? Évolue avec ton temps, ma vieille. Et toi, docteur, hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as chopé une calvitie, t'as le même crâne que mes couilles rasées. Et toi, faut vraiment qu'on en parle de toi. T'es l'opérateur le plus cancer du jeu et tu te permets de te vanter d'être la plus forte. Mais heureusement que t'es la plus forte, espèce de salope. Maintenant, allez vous foutre sur la gueule, en pleine classée, et allez vous faire enculer. Moi j'en ai marre de ces conneries, hein. Et vous les abonnés de Bano qui regardez cette vidéo, choisissez qui va gagner l'affrontement. Je suis vieux. Honnêtement, en toute objectivité, je pense que cet affrontement va se jouer entre Thunderbird et Finca. Étant donné que Finca, en ce moment, c'est le meilleur opérateur du jeu. Si vous ne l'avez pas encore acheté, achetez-la. Vite, avant qu'elle soit nerfée. Parce que c'est l'opérateur qui détruit le plus d'anus en classé. Faites-moi confiance, les gars.
Vous avez compris pourquoi? Je suis à 50 HP, j'ai fait un kill à la batteuse, j'ai encore 90 balles, là, bim, je me booste, 70 HP. Et derrière, tu peux rusher. Cet opérateur, c'est des enfers. Pensais que Ella et Lesion étaient les pires agents du jeu? Oh, permets-moi de te lire que Madame Finca, elle est plutôt pas mal dans son... Oh, plutôt pas mal dans son registre. Même si là, je me suis fait plomber, c'est vrai. Je vais vous montrer sa réelle puissance. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Déjà, tu fais un petit trou, là. Tu mets une petite grenade timée. Hop là, une belle grenade ça. Ah, dommage. Tu sais quoi, on va retenter. Qui ne tente rien à rien les gars. Et ça passe pas, dommage. On va réanimer le collègue là-bas. Allez, ramasse-toi, enfin relève-toi plutôt. Ah, oh, mince, je me suis fait avoir. Et je suis en clutch 1v3. Est-ce qu'on va le faire? Du moins, on va se donner les moyens de réussir. Meilleur agent du jeu les gars, ce n'est pas pour rien. Petit fake drone pour faire un petit bruit. Attention à ce que tu piques. 1, 2, 3. Non, c'est bon du coup en drone. Ok les gars, maintenant on va pouvoir prendre un peu de la prise d'information. J'ai pas l'impression qu'il soit sur le site, donc faut que je fasse attention à mon cul, bien joué. Je me suis fait niquer mon drone comme un plot. Et maintenant, on est sur le site. Le problème, mes amis, c'est que là, ils vont être deux, je pense, à garder le diffuseur. Il y en a un qui revient. Et il m'a enculé, bien joué. La batteuse avec la coque à courte portée, un peu compliqué. Comment il a fait la bombe tuée? What? Bon, pour l'instant, c'est vrai que ça se passe pas trop comme prévu. Mais ce que je peux vous conseiller aussi en secondaire, c'est de prendre le Gone 6, les amis. Pour taper un push, c'est très, très efficace. En vrai, sur Finca, je vous conseille pas de mettre la coque. Je vous conseille de mettre un petit réflexe, tu vois, pour pusher vraiment rapidement. La coque, c'est vrai que c'est bien vraiment quand t'es à longue ou à une moyenne portée. Mais sinon, en courte portée, tu te fais vraiment soulever le trou de balle. Comme ce qui s'est passé avec Alibi. Oh, elle est passée là en plus. Avons-nous un petit monsieur qui nous attend? Non, c'est bon. Est-ce que là, non plus? Ok, on l'a vu. Écoutez, on est parti maintenant. Et de 1, on commence. Un petit push, les gars. Allez, soyons fous, c'est parti. Ah, c'est Alibi de mes couilles, elle me fait un peu peur. Les amis, tentez une petite plante, je pense que vous êtes bien. Oh, mais les gars, il y a pas quelqu'un au bac, là? Il y avait un mec. Il y avait un mec, il était juste là, qui avait la cover. Tu vois, c'était Ice, les mecs. J'ai juré, les alliés, ils servent à rien. Ça diffuse, hein, ça diffuse. Je sais pas si t'as entendu, gros. T'es en train de diffuser. Dépêche-toi. Mais putain, mais c'est pas possible. Je veux que des handicapés tout le temps. Bon, on passe du coup avec Thunderbird, les mecs. On va voir si elle est plus forte que Finca. Vous savez quoi? On est en train de perdre 3-0. C'est l'heure de la remontada avec Thunderbird. Et avec Doc. On va voir si c'est possible. Je fais confiance à Thunderbird, en vrai je l'aime beaucoup elle. Une arme principale vraiment très très bonne avec en plus les gars une SMG, un C4, une compétence de porc qui fait du taf. Franchement tu veux quoi de plus? Eh, je sais pas si c'est pareil pour vous les mecs, mais qu'est-ce qui fait chaud chez moi? Je transpire des couilles. Là j'ai un petit t-shirt, mais en dessous j'ai rien gros. Mon caleçon c'est un jus de couille. Qui veut du jus de couille? La SMG c'est tellement bon. Oh là là, c'est comme une éjaculation les gars. Oh là là, la vue de ma mère. Et là tu vois je fais à 65 HP. Oh non, ils ont cassé mes Thunderbirds que j'avais mis là. On va la faire la remontada, je vous jure. On a le diffuse qui est ici, c'est perfecto. C'est vrai que je suis en train de tenter peut-être un peu trop là. Ouais, je tente trop les gars. Je reste à ma place, je suis un putain de défenseur. On peut tenter de se mettre là, je sais pas si vous la connaissez cette petite cachette là. Je sais pas si je vous dis une connerie mais je pense qu'il est là, je l'entends. Je l'entends mais alors vraiment tout doucement. Ouais, il y a son truc là, on le voit. Oh putain, je me suis demandé s'il fallait que je tire avant. Oh, ah bah j'aurais dû les gars. Là j'ai fait de la merde. Allez, cette fois c'est au tour du docteur maintenant. On a fait le taf avec Thunder. Est-ce qu'on va le faire avec Doc? Je pense. Avec Doc en vrai je suis un monstre. Non, on rappelle. Est-ce que j'ai besoin de vous le rappeler? Je ne crois pas. Oh, il a même 3. Oh putain les gars. Oh, tous les pigeons qui sont tombés. Ah, rien que pour ça, docteur il gagne l'affrontement. Oh les gars, on vient de les soulever gros. Et bah reprenons le petit docteur. Le bon vieux docteur, il fait le taf. Et en vrai que ce soit Finca, Thunderbird ou Doc les gars, c'est tous les trois des excellents opérateurs. Donc en vrai pour les départager là... Je sais pas trop comment on va faire. Ah, j'ai pas le bon timing, je suis bête et nul à la fois. Booste-moi, docteur. Oui, j'aime ça. Pensez-vous que nous l'avons mis à terre? Je ne crois pas. Oulala, reboostons-le un petit peu, vas-y, viens, t'as raison. Oui, il y en a qui va me piquer. Voilà, piquer le collet de drame. Bourré, boum, et ratatam, grosse tête. Voilà, merci. Encore? Oui, bien sûr. Vous savez, ce n'est qu'une vulgaire formalité, ce que je viens de faire. Docteur et le goat, les gars, que voulez-vous? Je viens vraiment de les enculer à sec, j'ai du caca sur la bite. Qui veut du Nutella? Allez, tiens, on se booste à fond, 180 PV, les gars. J'aime bien. Je vais te déguster, mon ami. Oh, pardon. Allez, petite Thunderbird, les gars, pour finir en défense. On a fait la remontada en vrai en défense avec Doc surtout, hein, principalement, les frères. Attends, comment il vient de mourir, lui, ici, là? Attends, les gars, il est mort comment? J'ai pas compris. La tête de moi, y a aucun trou. Comment il vient de se faire plomber, lui, là? J'ai pas compris. Je te jure, 3v4, d'accord, mais j'ai vraiment pas compris. Putain, mais ta mère, toi, me taser. On est en 2022, l'outil, tase encore, vas-y, il a une vie de merde. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer, tu vas jouir. Attention que ça tape pas un poche, mes frérots là-bas. Hein. Normalement, on est bien, allez les gars. Ah, on est moins bien là, merde. Attention, faut se débarrasser de la Twitch, c'est fait. Et maintenant, on est plutôt serein. Non, j'ai loupé Knock. Mais ta tête, c'est un one tap. Ah, elle me l'a mis, bien joué. Et du coup, maintenant, pour vous, qui ressort victorieux de cet affrontement? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas fini encore, il reste encore une manche, hein, ok.
Oh, ce qu'on vient de lui mettre. Le viseur 1.5, les gars, il est vraiment très bon. Hein. Je préfère vous le dire direct. Si vous hésitez entre la COG et le 1.5 ou l'holographique, mettez directement, eh bien, l'1.5. On voit le timing grenade, lui. Je pense qu'il est pas prêt. Passe pas devant moi, Gridlock, la putain de ta grand-mère. Il est mort ou pas? Non, il est toujours là, mais je pense qu'il a pris quelques dégâts, le frérot. Hein. On va faire ricocher une grenade et on va se débarrasser. Peut-être pas encore, mais dans quelques instants de Alibi, l'autre, on l'a tué à l'agro. Hein. Je sais pas si vous avez entendu. On y va, on rentre, les frères. Allez, on y va tout doucement. Ah non, il est tombé à la trappe, le saligo. Headshot, motherfucker. Oh merde, ah, je suis rentré sur le site comme chez la grand-mère à Gridlock là. L'autre s'y plante, vas-y, plante la couille, vas-y. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je l'ai pas entendu, gros. Oh, la vue de ma mère, je suis dégoûté. Putain, on va peut-être aller en manche décisive, prolongation, je sais pas quoi. Allez, mon gars, allez, c'est chaud. Aïe, aïe, aïe. Oui. Eh bien, les amis, c'est à vous de déterminer qui a gagné durant cet affrontement. Et puis, écoutez, moi, je vous dis à bientôt. Je pense qu'on a fait un très bon affrontement aujourd'hui. Eh bien, pour une prochaine vidéo, ciao les ploucs. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de vous mettre un doigt dans le cul éventuellement, et de me sucer la bite. À bientôt pour un prochain affrontement. Je tourne dans le vide. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais. Je m'appelle Kaïd. J'ai un gros zizi.